Il y a transpiration quand l'extrémité de nerf sous la surface de la peau est sensible à la température, les thermorécepteurs détectent un réchauffement de la peau. Ces extrémités envoient une impulsion à la partie du cerveau qui régule la température, l'hypothalamus. L'hypothalamus stimule certaines des plus de 2,5 millions de glandes sudoripares réparties à la surface de l'organisme. La glande stimulée sécrète une solution d'eau, de sel et d'acides aminés. Les glandes sudoripares sont plus nombreuses sur le front, sous les bras, sur la paume de la main et sous la plante des pieds. Par des conditions normales, les glandes sudoripares du corps sécrètent près d'un litre et demi de sueur par jour. Tandis que la sueur s'évapore dans l'air, la chaleur est évacuée du corps, ce qui a pour effet de rafraîchir. En plus de sa fonction régulatrice de la température, l'émission de sueur aide les reins dans l'évacuation d'eau, de sel et d'urée.